Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 27 août 2021, direction l'hippodrome de Cabourg pour le prix d'Argentan. Troisième course de la Réunion 1, où 13 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Lors de ce Grand Prix provincial non européen, s'adressant en cas des trotteurs français aux dents longues, le départ sera donné à l'aide de l'autostart aux alentours donc de 20h15. Les numéros derrière la voiture auront beaucoup moins d'importance qu'à l'accoutumée, puisque la distance est longue de 2725 mètres. Il ne reste plus qu'à faire les bons choix lors d'un quintet bien plus ouvert qu'il n'y paraît. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Flower by Magalou. Cette représentante de l'entraînement Pereira sera une nouvelle fois pilotée par un certain Johan Le Bourgeois. Ce driver connaissant la piste de Cabourg sur le bout des doigts, avec cette femelle de 6 ans, fille d'un mec des replays, il peut une nouvelle fois terminer à l'une des trois premières places. En deuxième choix, le numéro 11, Frenchman. Avec ce cheval prometteur en début de carrière, fils de voyage de rêve, ce sera probablement tout ou rien. S'il dispose d'un bon parcours et peut gicler au moment opportun, il peut faire du dégât ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Flya Kalouma. Sa dernière musique ne reflète pas sa réelle valeur. Compliquée mais douée, si elle répète ses valeurs de l'hiver passé, elle peut largement gagner une telle compétition. En quatrième position viendra le numéro 7, Festive Charme. Il est d'une belle régularité dans l'ensemble, même s'il n'a plus trop de marge à ce niveau. Déféré des 4 pieds et piloté par François Le Canut, il peut très bien faire. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Everdream Music. Franck Anne l'a actuellement au top et comme elle ne sort quasiment jamais des trois premiers, il faut lui faire confiance malgré son numéro 8 à l'autostart. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 9, Follet Buissonnet. Jean-Marie Monclin le trouve en parfaite condition physique le matin et comme David Thomas est à ses commandes, il faut logiquement y voir un signe fort. En avant-dernier choix, le numéro 5, Cléa Michelry. Si elle dispose d'un bon parcours caché dans le dos des leaders, elle peut alors faire du dégât dans la phase finale. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Girolamo. Déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs pour la circonstance, s'il se sort de son numéro en deuxième ligne, il peut espérer jouer un très bon rôle ici. En cas de non partant, le numéro 12, Design Jenny Lou, confié à François Lagadoc, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent Tiercéor de 194 euros, ainsi que Le Quartet et Le Quintet Plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime.